humm a bɛ kaa mɛ nsamuw yi zi naani mɛ nsamuw woba mbɔnsiw samuw woba mbɔnsiwawu samuw woba mbɔnsiwawu mais vraiment woyikiri naani yiri samuw woba mbɔnsiwawu c' est vrai que baa mbɔnsi vrai nga ya quoi vrai nga ya salopalce vrai nga ya samuwa bɛna ko ko béykatokomi tchini kati kamuchina bu ndi koba ko lan zi mɔdzu zi lakshonso za mbɔnsiwawu les électures des chiens ah. Comment on les appelle déjà les élections des chiens <laughs> Ces gens-là vraiment. Donc ils ont cru que ils allaient arrêter la chaîne Pièce TV. Je vous apprends que tout marche sous des roulettes en ce moment. C'est-à-dire que là où là où je suis là, je suis au studio, c'est-à-dire que tout est installé. Donc bientôt on va lancer le truc là. <laughs> vous savez que j'étais un peu malade là, vous voyez, j'ai un peu maigri là. C'était vraiment chaud. Hein, C'était chaud. Mmh. C'était chaud. Mais mon problème ici, moi mon seul problème, c'est-à-dire que moi mon seul problème ici, c'est le problème des Mboshi. C'est-à-dire que l'affaire des Mboshi, là, c'est-à-dire qu'eux, ils peuvent faire les élections. Mais ils peuvent faire partout là où ils veulent. Moi, je m'en fous de ça. C'est-à-dire que nous, la fédération, on s'en fout de ça. Le problème de Mboshi doit être vu à la loupe. Parce que les Mboshi... Ils ont tué près de 4 millions de Congos. Et ça, c'est une vérité. C'est pas quelque chose qu'on est venu mentir aux gens. Oh non, on est jaloux d'eux, on est tribal, comme certaines personnes. En train d'écrire là-bas, oh non, Kaï, c'est un tribal. Non, 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 non. Jamais, jamais. jamais. Moi, je peux pas être tribal. Nous avons affaire à des criminels ambulants, à des gens qui sont nés criminels. Ces gens-là. Sont arrivés là pendant la colonisation française. Ces gens-là, c'est des abbés mboshis. Et c'est prouvé. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre ici avec ces mboshi là vous savez que vous êtes des Mboshi. Et vous là, vous voulez vous faire appeler des Congolais. Mais eh, Congolais, Congolais en lingala, Congolais on lingala, linga lingyo luba, boza ba Congo. Bien au boza ba Congo. Boni, 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 boni. Vous ne voulez pas parler de vos origines, à vous? On peut vivre dans un pays où les gens ne veulent pas parler de vos origines. Quand on parle de vos origines, oh non, il faut éviter le tribalisme. Quel tribalisme là C'est tout ce qu'on a fait. Les mboshi, c'est des criminels. Commencez par Sasungesso, Maturin et ses enfants. C'est tous des criminels. Ces élections, comment vous pouvez aller faire des élections Il y a un fou là, un mboshi, qui est là depuis plus de 40 ans. Est-ce que c'est normal Est-ce que vous vous trouvez normal, vous Vous qui faites les élections là, vous trouvez ça normal vous pensez que vous pouvez voler encore l'argent des Bakongo là-bas Au nord là-bas, les Mboshi là, il faut croire, faut savoir. Hein, au nord, n'est pas chez vous. C'est pas chez vous là-bas au nord. Et ce que je dis ici, il n'y a aucun Mboshi ni aucun hein, aucun euh, sudiste va contredire ce que je dis ici là. Aucun. Et le Mboshi qui n'est pas d'accord là, qu'il aille porter plainte. Moi, je n'attends que ça, les plaintes d'embauchés là, j'attends que ça. Et quand je vais à recevoir, quand je reçois une plainte là, je vais prouver par A plus B. De toute façon, il n'y a rien à prouver. Les Mboshi, c'est des criminels. Il faut, faut dire ça. Jusqu'à présent, on n'en a jamais parlé. On n'en a pas parlé. On évite à chaque fois qu'on veut parler de leur criminalité, des gens qu'ils ont tués, des génocides qu'ils ont causés là-bas. On a fait croire aux gens ici que non. Que non, le pays là, c'est pas bon le tribalisme, c'est cela. Mais c'est eux qui ont commencé le tribalisme. Et de toutes les façons, on les avait déposés au nord là-bas. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire au sud là-bas Moi, je vous dis que vous, les, les Bakongo là, n'épousez plus jamais les Mboshi. Parce que épouser un Mboshi, c'est tuer les gens. Et la femme, les, plus, la femme, les femmes qui ont épousé les, les Mboshi là, les hommes qui ont épousé les, 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 les femmes Mboshi là, vous, vous ne dites pas à vos maris ou à vos familles que...

c'est des criminels. Ils ont tué tout le monde là-bas. Et ce que je dis, c'est la vérité. Celui qui, pas, qui pense que je mens, il n'a qu'à porter plainte. Les Mboshi ont détruit les, les, les pays. Et ils sont en train de faire des élections là-bas. Ils font semblant d'aller aux élections. Comment, comment des gens qui vivent pendant 40 ans, ils ont volé le pays, ils ont détruit. Ils ont volé, je ne sais pas, un milliard, mille milliards de générations futures. L'argent est où Pendant les guerres. Ils ont volé l'argent de tous les commerçants dans les banques, là. L'argent est parti où Ils ont pris la moitié de, la, de, de, de Brazzaville pour eux. Ils passent leur temps à empoisonner des gens. Voler l'argent. Et vous voulez faire croire à qui qu'il y a des élections là-bas Vous voulez faire croire à qui Hein Ça veut dire que dans la vie, non Honnêtement, parlons peu, parlons vrai. Il faut apprendre à s'affirmer. Il faut apprendre à dire que non, ça c'est pas bien ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Pendant des années, vos parents, nos arrière-parents sont passés. Il y a même des gens, des parents, Barkongo, Vos parents ont été tués, empoisonnés par les mochis. Mais vous avez jamais su. Vous avez cru qu'ils étaient malades et tout ça. Les mêmes mochis ont foutu la pagaille dans le pays, là. Mathurin Sassou Denis, c'est un vol, c'est un criminel. Ça dit qu'il faut, faut dire des choses comme il se doit. Et quand moi je dis ça il dit, ma mère, oh, oh Kaï, là, il n'est pas bien. Caï oh, dit la vérité. Caï dit la vérité. C'est des criminels, les Moshi. Ils ont causé des génocides, ils ont volé l'argent des générations futures, et jusqu'à présent, ils continuent à tuer. Et là encore, si on n'avait pas parlé, ils allaient créer encore un autre, un autre génocide. Vous avez affaire à des criminels. Je ne sais pas comment. On les a, comment, comment ils se sont retrouvés là Et jusqu'à présent, je me pose la question de savoir comment nos doyens ont pu laisser un type embauché un comme ça sous être, être prégichien. Comment ils ont pu le laisser là Comment vous arrivez à laisser des fous en train d'organiser des, des élections Comment vous pouvez laisser les fous comme ça Votre pays Et vous avez les mochis qui sont en train d'accepter de, 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 ça. Oh non, c'est pas bien le tribalisme le tribal jusqu'à présent où, les, les disparus du du bitch là c'est où les disparus du bitch sont où là Hein ben non vous la bible regardez récemment là il y a l'autre là comment on l'appelle euh, les gars de Yuki udh yuki ça dit que encore des ça dit que vous avez boulot de sanita on a tué parfait collé là devant vous les voilà là, entre les données aux élections. Il faut être fou. Ça veut dire que j'ai compris que les Mboshi vous ont fait manger le caca, vous ont fait boire le pipi. Ça veut dire que vous êtes vraiment... Ça veut dire que... Est-ce que, est que vous vous sentez humain même Est-ce qu'il y a même encore des hommes là-bas Hein Où sont les hommes Où sont les laris Où sont les Ladi Où sont les Bakongo Vous êtes où Une, une bande de... fous Des fous qui sont venus là, en train de tuer des gens, vous les regardez. Vous pensez que moi, je peux avoir peur d'un Mboshiwa Moi, moi, caille, mais non, non. Des gens qui ont tué, qui sont en train de massacrer, et ils font semblant. Ça dit que je n'ai jamais vu des gens aussi bêtes que les Congolais, les Congolais là. J'ai jamais vu des gens aussi bêtes que vous. On est en train de vous exploiter là-bas. On est en train de faire semblant, de faire des élections, et vous acceptez ça. Et les voilà là, en train de, de, de courir oh, les élections. Des idiots, des idiots, des idiots. C'est-à-dire que... Et, et c'est vous là, c'est vous qui venez parler politique, vous. Vous, avez, vous. vous voulez parler politique, vous là. Vous là. Hum? Mais de quelle politique vous parlez Et je vois des gens de ma génération qui se précipitent aux élections. Vous me faites honte, vous les gens de ma génération là. Ça dit que vous êtes pire que des idiots. Et c'est vous là qui pouvez venir parler devant Kaï qui dit Oh non, à l'école, Vous êtes des idiots Un type qui a fait plus de 40 ans, qui a tué la moitié des, des ministres. Comment vous expliquez ça vous, vous avez eu des parents qui étaient ministres ici. Vos parents qui étaient ministres, sont tous morts. Eux, ils sont encore là. Un type comme Okemba, quelle, quelle intelligence il a Nengue quelle intelligence qu'ils ont ces gens-là. Dites-moi. Vous êtes incapable en tant que grande femme de vous affirmer, vous êtes incapable en tant qu'homme de vous affirmer, de vous affirmer, mais vous vivez dans le